Dans ce tube de plastique se cachent des informations à foison. Il faut l'ouvrir pour faire apparaître des sédiments qui vont nous inviter à un joli voyage dans le temps. Voilà, magnifique. Chaque carotte de 2 mètres représente 2000 ans d'histoire du lac. Mais est-ce qu'on va continuer ? Là, sur l'ensemble des séquences qu'on a sorties du lac du Bourget, en additionnant toutes les séquences, on va travailler sur à peu près les 8000 dernières années. Il y a 2 semaines, les équipes du laboratoire Editem ont effectué des prélèvements au beau milieu du lac du Bourget. Ils ont creusé avec acharnement pour ramener des carottes de ces sédiments qui reposent par 140 mètres de fond. Ces jours-ci, en laboratoire, commence le découpage et l'étude de ces sédiments. Et surprise, dès le premier coup d'œil sur cette demi-carotte, William Rapuc peut décrypter le passé. On peut déjà avoir pas mal d'informations. Là, notamment, on peut observer quelques crues qui sont enregistrées. On a aussi un glissement là, qu'on peut voir ici, qu'on connaît parce qu'on a déjà étudié d'autres carottes du lac du Bourget. Tout au long des différentes sections, on va aussi pouvoir retrouver d'autres grands événements. Sur cet échantillon, par exemple, les 50 dernières années se teintent d'une couleur dorée. C'est la conséquence de la pollution aux nutriments due à l'activité humaine. Mais l'analyse ne fait que commencer. Le passage dans le scanner, notamment, va permettre de connaître l'exacte composition chimique de la vase du lac. Le but de cette étude, c'est de voir l'impact de l'homme et du climat sur l'érosion. Donc, chose qui a pour l'instant assez peu été fait dans les Alpes. D'ici quelques mois, d'autres mystères enfouis dans les eaux du lac vont donc être dévoilés.